un vlog, un cadeau numéro 20. C'est parti. Tu rends compte, c'est bientôt fini. 20. C'est bientôt Noël, ça veut dire. Bon, ce matin, on s'est encore levé tard. Hein, parce que. Mais c'est normal. Oui, c'est samedi. Et surtout, Gégé, il se lève à 6h tous les matins. Non. 5h45. Du coup, il compense le week-end. Et là, on va chercher à manger. Parce qu'on n'avait pas envie de manger la même chose que la semaine. Donc, comme moi, j'ai envie de. Nutella mais version bio et tout, ben on va au magasin bio et comme Gégé il a envie de croissant et de pain au chocolat, et ben on va à la boulangerie. Pas forcément version végé. Non là non. Un, deux, trois, quatre. Et tout ça c'est pour Gégé. Voilà, il a ses calories pour deux jours. Non. Profite, enjoy it. Pour une heure. Pour une heure. Parce qu'il faut savoir se faire plaisir. N'est-ce pas? Ouais, moi je sais bien faire plaisir. Lui, il sait bien faire plaisir le week-end. Alors, qui saura me convaincre? Et voilà, mon dévolu s'est porté sur lui. Sans huile de palme, vegan, bio et fair trade. 150 grammes. 150 grammes. Bon, c'est beaucoup plus cher que Nutella, évidemment, mais bon. GG. Oui. Comme c'est joli. You, you, you. On va se régaler. Bon. J'ai pas fini. Oui, je sais que t'as pas fini de préparer. T'as pas ouvert encore la pâte à tartiner. Non. Mais bon, voilà à quoi ça ressemble. Et monter. Hop. Monter. Thé vert. Et GG, il s'est fait un café avec du lait de soja. Non mais ça a l'air tellement énorme. Chérie, t'abuses. Mais non. T'abuses. Tu as mangé tout ça? Ouais. Oh, t'es fou. J'ai faim. C'est un ogre, mon chéri, c'est un ogre. Et voilà. Plus... Non, une tartine de... Moi, une. Il est très bon ce Nutella d'ailleurs. Enfin, bon, Nutella c'est une marque, mais pâte à tartiner, ça fait un peu bizarre, je trouve. Ce chocoréal. Elle a définitivement abandonné la box, hein. Maintenant, c'est mieux d'être sur la couverture. Oui, 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 chaton. Bon, ça fait plein de jours que j'ai pas ouvert mon calendrier de l'Avent. Et Gégé, il me dit, c'est des chocolats? Mais non, c'est pas des chocolats. À quoi ça sert de faire un calendrier de l'Avent avec des shampoings? Il comprend pas le délire. Il est pas dans la même... dans la même configuration capillaire. Bon, moi, ça me saoule de voir les ouvertures de calendrier dans les... Dans les vlogs, du coup, je ne l'ai pas fait beaucoup. On est le combien? Ah bah merci pour ta réponse. On est le 20. Donc je pense qu'il y a 17 que j'ai pas, 16 j'ai pas ouvert. Mais tu vois, moi quand tout ça, je suis déçue. 17, moi je suis contente. Je suis déçue. 18. Je suis déçue. 15, j'avais pas ouvert. Ah bah je suis déçue. En fait, on est le 19, je crois, aujourd'hui. Pourquoi il y a un K sur 24? Parce que c'est kérastase. Ah oui. Hop, et plein de soins, du coup. Soin, soin, soin. Non, shampoing, shampoing. C'est trop cool. Je vais en donner parce que j'en ai beaucoup trop. Hein. Mais le 25, c'est peut-être une papillote, non? Il a espoir encore, lui. Ça, c'est même pas tout ce que j'ai ouvert depuis le début. Hein. Donc, c'est sûr que je vais en donner parce que là, je vais en avoir beaucoup trop. Mais c'est un rêve. Regarde, en plus, des fois, hop, t'en as en double comme ça, t'es sûr de pas être en rade. Ça en fait beaucoup pour une salle de bain quand même. Mais c'est pour ça, je vais en filer à maman, à ma copine Camille. Elles seront trop contentes. Je me suis maquillée comme une voiture volée. Vraiment. Je me regarde tout le temps dans le retour avec la caméra. Bon là, j'attends que Gégé ait fini de faire ses trucs. Il est en train de manigancer des choses dans mon dos. Et ensuite on va aller faire des photos. C'est pas qu'il fasse grand soleil, mais ça va mieux que ce matin quand même. Donc je me suis maquillée comme une voiture volée pour aller faire des photos. On aime bien, on a envie de faire des trucs un peu différents, pas que des photos blogueuses standard, parce que je suis pas vraiment une blogueuse standard ni une blogueuse tout court. Et donc voilà, j'ai mis des fossiles de ouf malade.
que dessus c'était marqué naturel. Est-ce qu'ils ont quelque chose de naturel? Pas du tout. Pas pour un sou. Et en attendant, le bébé il dort. Donc je ferais bien le lit, mais j'ai pas trop envie de la déranger. Bon, faut qu'on trouve un spot. On a déjà notre petite idée. Tu fous. Voilà. On a déjà une petite idée du spot et il est 3h30, quelque chose comme ça. Du coup, le soleil commence à tomber. Et là, il arrive en plein dans ma face. Je suis pas crédible. Encore une fois, j'ai mis des chaussures confort. Alors que sur les photos, j'aurais des talons. Et j'ai remis ma tenue un peu bizarre. On voulait faire ici, mais en fait ça rendra pas, les vitres elles sont sales, il n'y a plus du tout de soleil. Bon, du coup on va faire avec ces arceaux là et ce petit chemin de palmiers. On a beaucoup de palmiers nous, ouais. C'est joli ici. Ah, ici c'est le port des bateaux, de quand tu veux aller au Maroc, à Ibiza ou au Maroc. Au Maroc. Non, il y a beaucoup de bateaux pour le Maroc ici. Beaucoup pour le Maghreb, les îles Ibiza, Mallorca. C'est vraiment trop d'aller là-bas en bateau. Non, mais Ibiza, ça suffit, c'est déjà assez loin. Ibiza, c'est loin? Bah, c'est une nuit de bateau quand même. Ibiza? Oui. Genre, tu pars à 23h et t'arrives à 7h. Mais en avion, c'est super rapide. En avion, c'est 30 minutes. Je crois que c'est mieux de prendre le bateau la nuit. C'est plus sympa, t'arrives et là t'es au petit matin et c'est trop beau. Bon allez, on commence, regarde, il y a une grande allée là, c'est trop... La grande allée avec plein de statues. Je vois bien une grande allée avec plein de statues. Et on a pris la grande allée avec plein de statues. Bon, voilà un aperçu de ce qu'on a fait. Donc j'ai quitté les cils de Conchita Wurst. Parce que là on va s'en aller au sport, on n'a pas trop envie d'y aller parce qu'il fait froid et que c'est pas la porte à côté non plus. Je remets mon collant en fait là, c'est très bizarre ce que je fais. Mais quand même il faut y aller, donc on va y aller et ça va nous faire du bien, on va pas le regretter. Souvent c'est comme ça, on n'a pas trop la... Enfin des fois, pas souvent, c'est pas vrai. Des fois on n'a pas la foi, des fois on n'a pas envie. Et on se dit allez on y va quand même et après on est bien content d'y être allé. Donc je mets mes baskets et on y va. En parlant de sport, je me suis rappelé qu'aujourd'hui le cadeau du jour était un cadeau sportif. Donc je vais vous le faire tout de suite. Et aujourd'hui donc c'est la marque Mykonos qui vous offre une montre sportive, la The Circle. Et en fait ces montres là, ce sont des montres, déjà elles sont design, mais en plus c'est des montres qui vont compter à la fois vos pas, qui vont compter le nombre de calories que vous avez dépensé, qui vont compter, qui vont calculer la qualité de votre sommeil, etc. Il y a plein de données prises en compte pour vraiment optimiser vos performances sportives et donc votre santé. Et donc aujourd'hui vous allez pouvoir en remporter une de la couleur de votre choix et ça c'est vraiment topissime. Donc pour participer c'est toujours pareil, je vous mets les hashtags ici avec ma petite tête. Vous prenez une capture écran, vous la partagez sur Twitter, Instagram, maintenant vous avez l'habitude. Et voilà, on tirera au sort en janvier, vraiment c'est encore un cadeau extra, enfin moi je les trouve vraiment super top, je suis contente qu'on puisse vous offrir tout ça. Donc nous c'est parti, on va suer maintenant, je vous embarque avec moi. Trees up in the windows, frost on the glass. Christmas is here now, here at last. But let's not forget, in the middle of the busyness, remember this. Allez, il est plus trop capable, Gégé. J'avais pris la barre pour moi, mais bon. Oh, mais c'est bon. Je te la laisse. C'est bon? J'ai pas goûté ce goût là, je peux goûter? C'est date? Ouais, soda. Non, non, j'aime pas. Non, si, tu sais pourquoi? Parce que c'est au pain d'épices. Ah. C'est les barres naked, elles sont véganes. Y'a rien de dégueu dedans en fait, c'est tout du bon et particulièrement bon ce goût-là, la Christmas truc. Bon, du coup, ce goût-là, je vous dis, c'est définitivement mon favori. J'en ai goûté plusieurs et c'est au chocolat, c'est bon. Ça, c'est trop bon. Chocolat menthe aussi, c'est bon. Youm youm, on s'est régalé. Faut qu'on ait acheté à manger pour ce soir maintenant. Allons-y gaiement acheter nos fruits et légumes. Oui oui oui.
envie d'un smoothie. Il a envie d'un smoothie, GG. On est en train de comparer le nouvel Asus. Comment il s'appelle? ZenForce. T'es sûr? Ouais, ZenForce Selfie. Bref, avec l'iPhone, ça c'est le 5, ouais. À gauche. Et là, bon, l'écran est immense et tout. Mais alors, ce qui nous choque là, c'est les emojis. On dirait des trucs qui... Tu sais, des espèces de trucs en plastique là, que tu mets sur la table et ça fait... Ouais. Mais par contre, en termes de selfie, il envoie du pâté. Ouais. Hein. Genre, ça vous photoshop la tête, vous êtes plus trop capable de vous-même. Tellement vous avez une peau de bébé. Tellement tout à l'heure, j'ai fait un selfie et je me suis dit, mais si je poste ça, les gens, ils vont me dire, Safia, t'es passée sous Photoshop ou comment ça se passe? Alors que c'est juste l'appareil photo. Qui est dingue. Ouais, c'est le principe du téléphone. Ouais. Ce téléphone-là, en fait. Alors, à ce qui paraît, Miss Réunion me ressemble parce que ce soir, c'est les Miss France. Mais vous voulez que je vous montre Miss Réunion? C'est quelqu'un qui m'a dit ça sur Instagram. La voici. Alors rien à voir avec la choucroute, hein. Vraiment rien. Peut-être les yeux un peu parce qu'elle a les paupières tombantes comme moi, mais c'est pas vraiment... Elle a le regard... Ouais, c'est pas vraiment flatteur en fait. Mais faudrait... Attends, je vais regarder les Miss France et je vais vous dire mon pronostic. Comme ça on saura demain. Alors moi j'aime bien Miss Centre. Je la trouve jolie, mais je trouve ça dommage qu'elle se soit lissée les cheveux. Je suis sûre qu'elle a des cheveux magnifiques. J'aime bien Miss Martinique, je crois que c'est ma fave. Miss Guyane. Bah elle a un peu une mâchoire proéminente. Attends, mais faut pas dire des choses comme ça. Bah les Miss France, elles sont aussi là pour être critiquées, je suis désolée, mais... Elles sont toutes belles, mais Miss France, c'est Miss France, quoi. Ouais, voilà. Moi, j'aime, je voudrais bien que ce soit une métisse, voire une black. Je la trouve magnifique, Miss Martinique, c'est ma fave. Mais il me semble que cette année c'était déjà une brune, non? Du coup ils vont peut-être vouloir changer et mettre une blonde. Du coup je sais pas trop, j'ai du mal à juger. Bon, je vais conclure le vlog là parce que je crois que j'ai assez tchatché. Hein chéri, on a assez tchatché? Oui, t'as assez tchatché. Ouais, il dit que je suis bavarde. Et on va manger, c'est ça mon soupeux, et on va regarder une série sûrement. On disait que peut-être on allait boire des mojitos, mais finalement après le sport on est juste KO. Du coup, on va rester tranquille. Et on a regardé les photos du shooting de tout à l'heure et on est plutôt content. Et la batterie clignote, donc il est temps que je ferme mon clapet. À demain! Non, après demain!